Salut la gang, bienvenue à Radio B52. From Quebec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez à vous abonner à YouTube. Dites-le aussi à vos amis, à vos connaissances de vous abonner. Également à notre page Facebook, Radio B52. Également sur le monde iTunes, les balados. On passe à Night Train au micro. On est le 29 juin. Demain, le 30 juin. Après-demain, c'est le 1er juillet. On change de mois. 1er juillet. Qu'est-ce qui se passe le 1er juillet? On a un, un excellent joueur de hockey qui s'appelle Alexander Radulov, qui est agent libre, sans compensation, libre comme l'air. Et euh, vous avez vu toutes les tergiversations entourant euh, la signature d'un contrat de Radulov à Montréal pour le Canadien de Montréal. Vous avez vu comment est-ce que ça se ça se présente les choses. Vous avez vu les dits, euh, ce qui a été dit par euh, euh, le Canadien de Montréal, par la bouche de Marc Pergevin, leur directeur général, ce qui n'a pas été dit surtout. Hein, des fois, c'est plus le non-dit qui parle plus que ce qui est dit. C'est vrai dans ce cas-ci, d'ailleurs. Eh bien, nous, on a, euh, on a une primeur ici à Radio B52. Vous l'aurez entendu pour tous ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, je pense, pour un paquet de monde, mais euh, Alexander Radulov va quitter Montréal. Le Canadien le sait, Marc Bergevin le sait. L'organisation en a fait son deuil. Évidemment, on essaie de gérer ça au niveau communicationnel pour faire digérer la pelule le moment venu aux gens. Mais euh, Radoulov va quitter Montréal. Et euh, les quelques raisons pour lesquelles il va quitter Montréal sont, euh, sont très simples, sont connues même de plus en plus. Ça commence à poindre un peu. Euh, la durée du contrat, il veut un contrat de 7 ans. 6 ans, 7 ans. Minimum 6. Or, le Canadien ne veut pas s'engager pour une longue période avec l'or pour des raisons, euh, pour la raison de son âge, il a 32 ans et aussi pour des raisons financières, parce qu'on gère toujours le cap salarial en se projetant au, dans quelques années. Euh, on fait des simulations, puis on ne veut pas, dans le fond, que le salaire d'un joueur. Euh, qui euh, au-dessus de la trentaine euh, à un moment donné deviennent une hypothèque euh, trop lourde et trop pesante à assumer pour euh, l'ensemble de la masse salariale et empêche le club de bouger, de faire des moves pour des joueurs plus jeunes plus tard dans quelques années donc c'est une raison pour laquelle le Canadien euh, accordera pas un contrat et ne peut pas s'entendre avec Radulov principalement c'est la durée, également le montant Radulov veut 7 millions par année 7 millions, 7 millions 5 écoutez, il y a des joueurs de talent équivalent ou même un peu moins que lui qui gagnent ce salaire-là dans la Ligue nationale de hockey. Donc, le salaire de 7 millions que euh, Radulov veut est un salaire tout à fait légitime par rapport au standard de la Ligue nationale. C'est sûr que c'est bien payé pour un joueur de 32 ans, pour un joueur qui n'est quand même pas euh, à son pic, mais qui est encore très bon. Hein, on l'a vu l'an passé. Si vous n'avez pas eu Radulov dans l'alignement du Canadien l'an dernier, à certaines parties, ça n'aurait pas été beau. Là. Il n'y aurait pas eu de passe, il n'y aurait pas eu de but, il n'y aurait pas eu grand-chose au niveau offensif. Aucune explosion, aucune imagination. Ça venait de Radulov principalement pendant toute l'année. Alors, donc, le salaire est, sûr, est certainement un cas, euh, un aspect important pour le Canadien qui a toujours géré ses finances de façon très parcimonieuse. Sauf qu'on a payé euh, des joueurs trop chers dans les dernières années. On est prêt avec ces contrats-là. Ils n'ont pas été remboursés par Las Vegas. Fait qu'on euh, doit signer, et renouveler des contrats également de quelques joueurs. Fait qu'en bout de ligne, au niveau de la gestion du cap salarial, on a très, très peu d'espace euh, pour euh, payer Radolove. Et certainement pas à la hauteur de 7 millions par année, ce qui va facilement décrocher. Euh, dans un autre club de la Ligue Nationale de hockey à partir de minuit euh, le 1er juillet. Il y a des clubs qui vont certainement s'arracher Radoulov. Il va être même capable de faire une surenchère. Il y a déjà des clubs qui sont pointés, qui ont communiqué avec euh, son agent et euh, qui ont manifesté leur euh, grand intérêt à, euh, à engager Alexander Radoulov dans leur équipe. Pour des raisons évidentes, c'est un gars qui amène aussi une bonne attitude, c'est un gars qui a changé, c'est un gars dynamique, c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui qui se donne entièrement, il est assez constant maintenant aussi à toutes les games, c'est pas, pas, pas un loafer, t'sais. il joue pas une game sur deux, dans ce sens-là il respecte les fans également, il est toujours souriant, toujours en jouer, c'est un gars qui veut gagner, c'est un gars qui fait tout pour gagner, c'est pas un batailleur, un gars agressif, mais c'est pas un peu heureux non plus, il est capable d'aller dans le trafic, il se fait bardasser des fois, ça le dérange pas, plus il se fait bardasser, on dirait que plus il est meilleur plus il va être imaginatif, plus il va créer des occasions pour ses coéquipiers pour compter des buts parce que c'est un fabricant de jeu bien plus qu'un porteur comme vous avez vu. Mais c'est tout un fabricant de jeu. On dirait qu'il a des yeux tout autour de la tête. Sa vision périphérique 360 degrés est extraordinaire. Nous, on l'a vu à Québec quand il, était, il y a plusieurs années pour les remports de Québec. C'est pas compliqué. Il battait des clubs adverses à lui seul. Il a gagné une Coupe Memorial pratiquement à lui seul également en 2006. Donc, c'est tout un joueur à deux là. Le Canadien fait une erreur. Fait une erreur. Euh, je ne sais pas comment il aurait pu s'en sortir. À la limite, mais chose euh, certaine, il aurait dû tout faire pour s'entendre, puis accepter surtout de prendre le risque quant à la durée du contrat. Parce que c'est un gars qui a encore plusieurs bonnes années. C'est un gars qui fait attention à lui maintenant, okay? Il a arrêté de prendre des, euh, euh, je dirais de, du, du, du houblon euh, en grande quantité. Hein? Les Russes aiment ça hein, le houblon. <laughs> On a vu ça ici à Québec, disons, à quelques occasions. Là. Euh, mais disons le Canadien aurait dû faire des pieds et des mains pour le garder. C'est bien évident, que c'est une erreur monumentale, ok Parce que euh, je dirais le, la création au niveau offensif que qu'Alexander Radulov a amener, amener dans l'équipe. Euh, L'effet contagieux positif qu'il y a eu sur d'autres coéquipiers. Hein, les joueurs qui jouaient avec Radio Love l'an passé, Bucanazin, étaient meilleurs. Comment tu il, il, dans le fond, il, il accroît, dans le fond, la, 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 je dirais, la, la capacité de bien jouer des joueurs qui jouent avec lui, tant qu'il rend meilleur autour de lui. Fait qu en quelque part, à tout point de vue, tant sur le plan hockey que sur le plan, euh, je dirais, de social, humain, que des communications et tout ça, du dynamisme qu'il amène dans le locker room, dans l'équipe, dans c'est un plus sur toute la ligne. C'est très, très rare. Donc, ça a été un excellent coup de Bergevin l'an dernier. C'est un coup de maître, là sauf qu'un an après euh, ben là je veux dire on, on ferme la porte puis on la tourne à double tour puis on, on se dit qu'on n'a pas les moyens puis tout ça on va essayer de faire du damage control comme de, comme d'habitude au niveau du canadien LCH est très habile là dedans mais malheureusement pour les fans du canadien malheureusement pour le club d'hockey canadien Radula va aller jouer sous d'autres cieux et euh, en bout de ligne ça montre un peu ce que, j'en a dit nous autres à Radio B-52 dans le passé, c'est que le Canadien de Montréal est maintenant une business, une corporation. C'est géré comme une vraie, vraie business. Comme vous aviez une business dans la compagnie privée, le, le stade est plein, on fait de l'argent, comprenez-vous. La valeur de l'équipe est la deuxième plus haute, à la hauteur d'à peu près 1,5 milliard et ça a, payé, ça a été payé 500 millions par Jeff euh, Molson. Alors, on fait de l'argent, comme vous ça, ça leur sort par les oreilles. La rentabilité est là, le ROI, le retour sur investissement est là. Et euh, sans trop avoir de résultats sur la glace, on réussit à avoir une équipe qui est une des plus rentables, sinon la plus rentable à la ligue, et financièrement viable. Alors, vous comprendrez comme moi que ce n'est pas un incitatif à bouger au niveau hockey. C'est malheureux pour les fans, par exemple, parce qu'en bout de ligne, le départ d'Arudelov ne sera pas compensé par Jonathan Drouin, même si Drouin, c'est une. C'est un bon kid. C'est un, un gars qui a un gros upside et qui va aller loin. Mais euh, la perte derrière de là va faire mal énormément. Parce qu'il jouait, il, jouait euh, il faisait performer son trio régulier euh, à, à un très haut niveau. Il jouait évidemment sur l'avantage numérique. C'est un gars qui avait énormément de capacité au niveau cardio, Il est capable de jouer de longues minutes dans une game. Bref, ça va être un gros trou dans l'alignement, Puis il y a plusieurs coéquipiers qui vont s'en ennuyer. Parce que des passes à palette, comme il y en avait, de part de il en en auront pas. Ce pas sa palette qu'ils vont l'avoir, la, la pac c'est dans, dans la face ou dans la baie vitrée, ou deux pieds ou trois pieds en avant. Rendez-vous. Ça va prendre un bon temps un petit peu plus long pour rattraper les passes de coéquipiers. Parce que Love, était inégalé. Inégalé. Donc c'est une très grosse perte. C'est très très dommage pour les fans du Canadien. Euh, en quelque part, en terminant, euh, Marc Bergevin euh, a fait un bon coup avec Drouin, mais malheureusement, euh, tout ça est un peu et beaucoup cancellé par Radulov parce que Drouin aurait pu jouer avec Radulov et apprendre beaucoup de Radulov. Ce ne sera pas le cas parce qu'il va jouer ailleurs. C'est dommage. Marc Bergevin, il vient de renouveler en passant Sylvain Lefebvre et Larry Carrière. C'est une erreur. Ces gars-là ne sont pas capables de développer de jeunes joueurs de hockey. On a fait un podcast là-dessus. Le potentiel, l'éclosion du potentiel des jeunes joueurs qui arrivent dans l'organisation, c'est zéro facade, ça marche pas, rendez-vous C'est zéro. C'est ces gars-là qui sont là depuis quelques années, qui ont fait leur preuve quant à leur incompétence à développer des jeunes joueurs. Fait que ça, combiné au départ de la ça va faire mal. Puis Carey Price, il n'est pas dit qu'il va rester à long terme à Montréal. Le dossier est très nébuleux. Alors, euh, tout ça pour dire que c'est dommage parce qu'on souhaite aux Canadiens, aux fans du Canadien surtout, qu'ils le méritent, les fidèles fans du Canadien, c'est une Coupe Stanley. Et malheureusement, ça regarde mal pour l'année prochaine et pour les prochaines années. C'était Radio B52, le train de minuit.